Bonsoir tout le monde, bienvenue au bon retour sur cette chaîne. Je suis Gaspard Dorélien et je suis très content de retourner chez vous pour une autre recette. Et aujourd'hui, il sera question d'haïtien. C'est une recette haïtienne, c'est un gâteau haïtien. Okay? Alors, gâteau haïtien a une particularité, okay? Il y a un genre de fait, bien que il rapproche un pile de gâteau au beurre là. Mais nous allons voir ensemble ça fait différent du gâteau au beurre là et pour qui ça dit gâteau haïtien. Ok? Salutations et remerciements aux membres de la chaîne. Merci à tous ceux-là et à toutes celles-là qui ont renouvelé leur membership. Et bienvenue aux nouveaux membres. Il y a plusieurs nouveaux membres qui l'ont. Salutations à nous. Merci de supporter la chaîne. Merci de comprendre que tout va avec moi seulement. Nous ne cabaille tout. Ok, alors si vous-même vous avez besoin d'une membre chaîne là, vous cliquez sur le bouton join qui est en bas de la vidéo ça ou en bas n'importe quelle vidéo sur la chaîne là et vous choisissez une plan de support. Ou sinon, vous pouvez envoyer une contribution support financier là dans PayPal à gaspardorelien@gmail.com. Nous allons présenter au Kounia là, c'est tout ingrédient avec matériel que vous allez utiliser pour faire gâteau haïtien. Mise en place pour réaliser gâteau haïtien. On a besoin équivalent de 2 bâtons de beurre pour faire une recette. 2 bâtons de beurre qui égale à 200 g de beurre. Ok? Beurre qui est en sortie dans le frigidaire, qui est en petit temps dehors, donc qui est en pommade. Ok? Bah, du encore. Toujours pour recette, on a besoin de 3 œufs. On a besoin équivalent d'une cuillère à soupe de zeste de citron. On a besoin de demi-tasse lait. Il y en a des qui fait gâteau haïtien qui distingue le gâteau au beurre. C'est surtout épisayo. Ça veut dire muscade. Nous avons utilisé un demi-tiquier muscade. Un tiquier cannelle. On a besoin de petit pincé sel. On a besoin de tiquier à café de poudre d'élévation ou bien baking soda. Pour faire une recette. Gâteau haïtien, c'est avec 2 tasses farine au fait. Ok, farine que nous allons tamiser. Alors, si vous avez besoin de faire 2 recettes, ça veut dire équivalent de 2 recettes. Donc, on mettez 4 tasses farine, on va doubler tous les éléments nous présenter déjà. On a besoin d'un tasse sucre, on a besoin d'essence vanille, on a besoin de gros saladier comme ça, on a fait tout mélanger. On a besoin de passoir pour tamiser la farine. On a besoin de moule. On a besoin d'un batteur à main. Ok, bon, alors, sous baguette, on peut toujours utiliser un fouet pour faire mélanger, etc. Ou bien, si vous voulez tout, sous gain, un mixeur, on peut toujours utiliser un mixeur. Voilà, c'est ensemble éléments ça yo avec matériel que nous allons utiliser pour nous faire gâteau haïtien. Affaires, je vous donne un simplifil. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, suivez toutes les étapes, pas sauter, pas skipper une partie, et puis vous allez voir comment c'est pour faire un gâteau.
OK, bon, bien que décoration d'accord gâteau à son l'autre bagaille, on a son l'autre domaine lié dans pâtisserie, hein? Une autre paire de manches. Donc mais sinon gâteau à on va nous voir comment facile vous faire. Nous allons commencer. Alors premier bagaille nous allons faire, c'est fondre sucre dans beurre. OK, on gagne 2 bâtons beurre, 200 g de beurre, et puis mesdames, gagnez yon tache de sucre. Alors, mesure ça, c'est mesure pour yon recette. Ok? On a mis le sucre là. Une grande tache de sucre. Ok? Dans le beurre. La première là, on va le battre avec un bateau électrique là. Ou du moins, si on va le bateau électrique, on va faire avec fouet. Que tu apprends pile temps, pile effort, plus effort pour faire. Ok? Donc, ou du moins, si tu as encore un mixeur, si tu as un mixeur, tu vas encore aller plus vite. Alors, dans le batteur, pour faire mélange pour fondre sucre dans le beurre, ok? Parmi les 6 vitesses, c'est sous vitesse 3, la poufelle. Puisque 10 minutes depuis que je mixé là, je prends sucre là beaucoup fin fond. Et c'est une partie qui est importante dans faire gâteau. Là, parce que si le sucre là pas bien fond dans le beurre, et bien, le gâteau là pas sauté bien. Ok? Donc, il faut que bien fond. Alors, si ça là, on fait encore plus de travail. Donc, pour mon mari, on va racler les bols là de temps en temps. Ok? Ramener matière là qui éparpillée dans le bol là. Et bien, on continue là. Okay. Je vais vous comment les gens qui n'ont pas un batteur électrique, comment vous faites. Bon, monsieur dame, bonne chance. Si nous avons envie de faire gâteau et puis nous avons un batteur électrique ou un mixeur, bonne chance. En tout cas, mettez le lien batteur ça en bas de description pour les gens qui veulent gagner. Parce que si vous voulez faire gâteau, le matériel ça va gagner au moins. Si vous voulez gagner un mixeur, mais au moins batteur à va gagner. Parce que. Même avec le batteur, moi, j'ai un sucre difficile pour fondre en beurre. Donc, ma main doit la mettre qui travaille, la commander. Ok. Donc, beurre là, avec sucre là, première partie de préparation, ça a fini. Ok. Eh bien, on réserve. On va le faire l'autre travail qu'on y a là. Rapidement, on va aller. Prend zeste citron, hein? Ça suppose ben nous l'équivalent yon qui est à soupe. Ok, engagé. Ok, bon, là, nous gagnons zeste citron, nous, la préserver. Ok, maintenant, nous allons faire l'autre phase là. Nous allons passer dans l'autre phase là. Bon. Ok, bon, je tombe écrasé. Ok, alors, on a l'autre élément encore qui différencie gâteau haïtien de gâteau beurre ou l'autre gâteau. C'est que nous mélangeons ni jaune ni blanc ensemble. Alors, normalement, dans notre gâteau, on va pas jaune à part. Blanc, on fait monter, fait neige, on va bien pas, et puis après ça, on mélange. Ok? Mais gâteau haïtien, pendant toute complication, ça dit même. Ok? Haïtien, tout est dans ça. Zé! On va nous mélanger tout ensemble. Et puis, on va prendre notre fouet. Ok?
Ok. Eh bien, je vais mettre un film mélangé là. Ok, dans le film battre là, on va ajouter la dan kounia équivalent yon qui est à soupe d'essence vanille. On va ajouter équivalent qui est à soupe cannelle noire. On va ajouter yon demi ti qui est muscade. Et puis, on va ajouter tout zeste citron noir, équivalent qui est à soupe. Et puis, nous allons mélanger. Ok, mais partie ça, la préparatif là fini. Ok, on va tourner kounya là avec beurre noir et sucre là qui est défini fondant. Et ok, kounya on va intégrer je noir nous te battre là avec tout épice yo non sucre et beurre mélanger yo. Ok, nous mélanger jusqu'à ce que le banou y ait un résultat homogène. Côté, on va distinguer zea avec beurre et sucre là. Et ils font seul. Ok. Eh bien, parti ça qui est fini. On va ajouter pincé sel noir. En même temps, tout, on a commencé à intégrer la farine noire. Alors, il est important que nous tamisions la farine là. Ça fait le gâteau la sortie plus fin. Ok? Et ça évite de gagner un gros mot. Tout, non? Mélangeoir. Donc, la farine là, on va ajouter au fur et à mesure. Ok? Pour ajouter farine ou ajouter en petite quantité dans les toits. Et bien, on va le mélanger. Ok. Là, nous estimons que c'est le métier à étant bien mélangé, et bien on va ajouter une deuxième quantité. Oups, oublié tamiser farine. Blague directement là-dedans. Oh, wow, sorry. Bon, de toute façon, c'est pas un péché très grave. On ajoute une quantité de lait. Et puis, on continue à mélanger. Ok, la dernière quantité de farine, ça l'a fait, cette fois-ci on va oublier ta misère, passer dans la passoire, mettez dans la passoire. Ok, nous changeons pour l'élévation, et bien on a mélangé pour l'élévation dans la dernière partie farine. Et puis, on va tamiser. Alors là, songez, j'ai gagné deux petits cuillères à soupe de poudre d'élévation ou bien baking soda pour une recette là. Et puis, vous mettez la dernière quantité de lait que nous avons gagné. Hein? Nous allons le remélanger encore.
Ok, après marise noire pour nous racler tout ce côté bol noir pour nous intégrer toute pâte qui prend ce côté. On va mélanger encore une minute et puis pour passer dans l'autre phase. Ok, et bien partie de travail ça là fini. Alors, si c'était là, même ta batterie là, j'ai fait carré. Travail. Bon, ça fait. Mettez au moins une batterie électrique, une batterie électrique dans la vie. Non? En passant, dédié gâteau ça à cause de ma cap fêté jeudi 17 décembre. Non? Bon, bien que je vais manger gâteau là, je vais vous le bouba Bluetooth. Ok, Dieu l'amène. Ok. Eh bien, on va mettre ça sur le côté là. Alors, il y a deux moules. Ok, on choisit. Est-ce que c'est moule hein? Ah, qui gagne tout ça dans le temps là. En général, nous allons utiliser pour me faire gâteau renversé ou bien pour ça qui tout rond. Hein? Qui est-ce que tu as choisi là? Goûtez ça et choisi. Tout rond bien ça. Tu as bien tout dans le temps là. On va pas faire la toi. Ok. C'est là ça qui est simple. Bien d'accord. Ok, qu'on y a, nous allons mettre un papier dans le fond. Moule noir. Ok. Eh bien, nous faisons une trace là. Pour mes yeux. Ok. Avec un ciseau. On va découper. Ok. On va le beurrer plus loin. Et important pour le beurrer pour empêcher le gâteau à couler là-dedans. Ok. Et empêcher tout le gâteau à bouler encore. Maintenant, fond côté que le papier là, la beurre d'eau. Alors papier m'a utilisé là, son papier sulfurisé, papier pour cuisine même. Voilà, des bonnes feuilles blanches pour nous mettre là dedans. Le papier qui fait pour ça, qui a supporté chaleur. On voit, chaleur pour mal bouler. Ok, c'est une bonne feuille papier blanche, une bonne feuille carré, la boule. Ok, eh bien, on a le papier noir dans le fond. Hein? Ok. Eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à verser notre mélange dans le moule.
Ok. Entre-temps, on va allumer le fourneau. Le fourneau a préchauffé là, à 350 degrés. Un film vide et pâte là, nous là, on secoue pour égaliser. Ok, là, nous pas le mettre dans le four là. Ok, pour alors on préchauffe le four à 350 degrés, on a quitté le four à 350 degrés pendant entre 35 à 45 minutes. Ok, 35 à 45 minutes. Maintenant, on va regarder pour vérifier que ça va. Ok, eh bien, on va enfourner. Ok, eh bien, on va laisser la machine opérer pendant au moins 35 minutes. Ok, gâteau noir gagne là 45 minutes depuis l'ina foie. Ok, nous allons tester le bonheur, c'est le bon bonheur. Ok, et eh bien pour nous tester le bonheur, c'est le bon, c'est la fin de capon cure-dent. Ok, et puis nous piquer. Si nous avons cure-dent sorti sale, qu'on y a dit beaucoup fin bon. Mais si nous avons sorti propre, qu'on y a dit fin cuit, dit bon. Ok, une fouille. Ouais, j'en ai regardé cure-dent là. Ok. Ouais, il sorti propre. Il y a un petit crasse gâteau là-dedans. J'avais dit, eh bien, gâteau nous on parle. Ok. Nous, car qu'on y a avec le fouet. Alors, avant, nous fait quoi que ce soit là-dedans. Je dis, à le couper, démouler, etc. Faut entendre ni frette là au moins en 30 minutes, en 30 de minutes, parce que si on a laissé faire le coup, il risque d'écraser, etc. Il risque de défaite. Faut entendre ni frette avant de nous démouler ou bien essayer de découper. Ok? On a fait un petit. Après 30 minutes, gâteau noir fin bien frais là dans moule là. OK? Alors nous songe son moule, c'est un moule qui gagne encore amovible. OK? Lâcher ce côté là tant qu'on ceinturon. Et puis délicatement nous étirer cercle là. Et puis voilà, notre gâteau est prêt. Maintenant, si nous va décorer, on va glacer, faire glaçage là. Maintenant c'est le moment. Mais sinon, si c'est comme ça, Angèle, vous gagnez mes gâteaux noirs pareil. D'accord? On va passer à la présentation. Même chaîne qui parle content de recette ça parce que il y a un peu de monde qui t'a pris des mis depuis quelques jours. Ok, gâteau haïtien pareil, Jean Noël là simple, et personne va faire si vous regardez la vidéo, ça pas capable faire, vous comprenez, ou pas capable réussir. Bon, sauf que faut un matériel là, une petite batteuse là électrique là, ou bien mixeur à main, et vous comprenez, c'est intéressant pour gagner. Bon, oui, bien que vous faites la main tout, mais maintenant plus l'effort, plus le travail. Mais sinon, achetez une batteuse et pas mal de manger. Lien en bas, vidéo en description. Hein. Cherchez-les et puis commandez-les.
goûteuse qui pas un gros fanatique gâteau, mais qui a vu goûter pour quand même avec une digitale français de gâteau haïtien. Vous connaissez Jean-Lala, c'est ça qui fait que le gâteau soit haïtien? Madame connaît ce bon gâteau haïtien même, donc ouais. Je n'en savais rien du tout. Mais gâteau haïtien, il y a cannelle là-dedans, il y a muscade. Ok. Oh, du bon. Hein? Un gros fanatique gâteau, il y a non, mais. Non, mais les goûts. Même si on a un petit peu de patate bois, on sent tout ça. Donc, je vais aller là ici pour gommer ici. C'est vraiment très bon. Bon, si c'est ça. Les pages, les goûts, on dit. N'importe gâteau industriel, par exemple, qui a rentré dans le market à l'acheter. Les bons petits goûts à part, qui fait intéressant. Bah, c'est muscade dans la cannelle. Hein? Et puis justement, c'est pour beaucoup là. C'est une bague qui fait là ici un tout, et puis c'est citron dans le natro. Vous voyez, qui bat le goût particulier, qui bat l'identité. C'est pour la solution. Donc, moi, ça va être un truc comme ça, là, on parle de manger. Bon, eh bien, il était seulement nous-mêmes là, vous connaissez. Ok, puis que moi, je vais un gâteau parce que je vais faire régime. Si je vais faire régime, je vais casser le ventre, je vais perdre du poids, je vais parler fort dans le genre de place. Eh bien, moi, je pense que ça va être tout petit. Pour goûter, parce que, en fait, pour goûter. Comme je m'y attendais, c'est intéressant là-dedans, c'est que par rapport à la quantité de sucre utilisée, il va faire un bagage super sucré, etc. Oui, sucre là-bas, bon, là-dedans. Donc, changez, c'est pas là, je prends un pile de goût sel, un pile de goût sucre, il est dans le gâteau. Il va plus salé, non? À la haïtienne, non? Quoi de crémasse café, hein? Ah, on va faire un mélange crémasse gâteau, oui. Yeah. C'est pas avec pain ou manger crémasse, c'est avec gâteau ou manger crémasse. Ça me plaît! Crémasse café, il y a pas loin, pas loin. Oh! On a dit crémasse, on va y ajouter. Faut te mettre un petit warm là-dedans. Ma gâteau? Oui, faut te mettre un petit warm là-dedans. Eh bien, Wellen a fait mélange œufs avec essence là, mettez pour équivalent. 2 tasses de farine là, mettez à peu près 3 à 4 cuillères rhum. Ok? 3 à 4 cuillères rhum, mettez là-dedans. C'est une caractéristique gâteau ça. Bah, on oublie rhum là. Parce que tellement banal, voilà, et oublie. Mais il est bon comme ça, tout. Souvent, je le mets comme ça. Il est très bon comme ça. C'est pas grave. Ok. Mais si je le fais, 100% haïtien, mettez 3 à 4 cuillères rhum pour équivalent 2 tasses de farine. À bientôt pour l'autre recette.